Le vol était ici. Là, sans renfoncement, il a mis un genou à terre. Et s'est entaillé pour l'offrande. Ces traces de sang, tu les vois? Non. Seule ma beauté est surhumaine, pas mes sens. Je ne suis pas comme toi. C'est pourquoi tu ferais mieux de rester ici. Sans vouloir t'offenser avec cette végétation et cette boue, tu serais comme... Un poids mort? Je cherchais une tournure plus élégante, mais oui, c'est l'idée générale. Entendu. Faisons comme bon te semble. En cas de besoin, je lancerai mes sorts d'ici. Étrange. Tu ne rouspètes pas? Moi? Il m'arrive de me montrer extraordinairement conciliante. Yen, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu mijotes? Beaucoup de choses. Comment m'emparer de la couronne témérienne? Comment liquider Kaer Morhen sous ton nez? Allez, file. Le sang du vol. En abondance. La piste est claire. Elle devrait me mener à lui. On dirait qu'il y a quelque chose au fond. Je n'y vois rien. On dirait qu'il y a quelque chose au fond. Je n'y vois rien. Trace légère. Le vol marchait à pas mesurés. Morgvarg ne renonce pas facilement. Morgvarg ne renonce pas facilement. Morgvarg ne renonce pas facilement. Le sang du vol. Le sang du vol. Impossible d'ouvrir la porte. Le vol a dû la bloquer. Ou elle est simplement verrouillée. Mieux vaut faire le tour. Morgvarg en a eu assez de finesse. Il est passé à l'attaque. Les traces d'un monstre.
Je pourrais être à la suite de quelque chose. Je compte me faire venir longtemps. Pas de morsure. Morgvarg ne dévore pas ses victimes. Bizarre. C'est le Veul ? Non. Celui-ci est là depuis longtemps. Quoi ? Je n'entends rien. Approche-toi si tu veux me parler. C'est vrai que ses sens ne sont pas très aiguisés. Beaucoup d'empreintes, récentes et anciennes. Sa tanière n'est pas loin. Impossible de passer. Je dois descendre. À supposer que j'arrive à ouvrir l'écluse. Le mécanisme a l'air relativement simple. Un levier pour choisir la porte d'écluse, et un autre pour l'actionner. Morgvarg a défoncé cette porte. Il a dû sentir quelque chose derrière. Le symbole de Freya. Le corps est intact. Morgvarg ne dévore donc pas ses victimes. C'est étrange. Les pas vont jusqu'au puits. Le Veul aura préféré finir noyé plutôt que manger. Je suis juste sous l'aile. Hé ! Tu m'entends ? Oh ! Gérald, tu m'as fait peur. Désolé, ce n'était pas mon intention. J'espère bien. Préviens-moi si tu trouves le Veul. Le sang du Veul.